Les étudiants gabonais en Chine viennent se voir dotés du matériel de bureau, un geste du chef de la diplomatie chinoise au Gabon qui vient renforcer l'existant pour de meilleures conditions de travail au sein de cette association. Parmi les convives à cette cérémonie, Jerry Mbougou-Bivigou et Justin Jana. Siège de l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine. Cérémonie sobre, mais d'une haute portée pour magnifier la coopération sino-gabonaise qui célèbre son cinquantenaire cette année 2024. En ouverture de bal, se donne le matériel pour faire vivre l'amicale. La cérémonie de ce jour rentre dans le cadre de la remise à titre symbolique d'un don à l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine. Cette salle suffisamment aménagée à l'image de la Chine, nous ne pouvons que vous dire merci. Excellence, permettez-moi avant de clore mon intervention de vous demander très respectueusement de nous aider à vous aider à aider le Gabon à se développer de manière harmonieuse. Nous devons jouer un rôle de premier ordre pour rechercher, identifier et potentialiser tout ce qui peut demain renforcer la coopération entre la Chine et le Gabon, comme on le dit, coopération gagnant-gagnant. Avec une amicale d'une trentaine d'années, ayant des générations d'anciens étudiants de différents domaines, c'est assurément une coopération qui mérite d'être exaltée. Le gouvernement chinois a déjà fourni, octroyé plus de 600 bourses aux Gabonais. Moi, je compte peut-être plus de 1000, au moins, plus de 1000 anciens boursiers gabonais en Chine. Je pense que vous constituez une force vive pour l'amitié et pour la coopération entre nos deux pays. Un don en début d'année pour faire vivre une structure est un signe annonciateur d'une année décidément en fanfare.